Ça tourne. Bon, maintenant voilà plusieurs jours après, après la panne des injecteurs que je vous ai montré dans le début de vidéo. Boîte de vitesse HS et moyeu de roue côté conducteur HS. Donc j'ai beaucoup de problèmes avec la voiture depuis quelques temps là, ça commence à me saouler. Donc je vais pas faire toutes les réparations que je voulais faire sur la voiture. Normalement mon but était de la refaire intégralement. Je vous avoue, je commence un petit peu à en avoir marre d'être emmerdé toutes les 5 minutes avec. Donc je vais refaire que le strict minimum, de façon à pouvoir rouler au moins en sécurité. Donc c'est-à-dire que là, j'ai mis un moyeu neuf à gauche. Il a été monté déjà. Le problème, c'est que j'ai récupéré une boîte chez un garagiste. Et la boîte a un énorme problème. C'est en fait, dès que je monte à 50, dès que j'achète l'accélérateur, elle se met à ralentir, mais brusquement, c'est-à-dire que j'ai même pas le temps de toucher au frein. Elle passe de 50 à 20 km/h d'un seul coup. Je soupçonne des roulements de grippé, parce que la boîte, quand je l'ai eue, il n'y avait pas d'huile de boîte dedans. Donc je pense qu'elle a été stockée sans huile, donc je pense qu'il y a une forte suspicion que les roulements du différentiel soient grippés, parce que le différentiel, quand on prend les deux arbres pour le tourner comme si on faisait rouler la voiture, bah voilà quoi. Donc je vous disais, bah, le différentiel, quand je tourne les deux arbres comme si je voulais faire avancer la voiture, bah, il est extrêmement dur à tourner. Donc je vais voir ça avec le garagiste quand j'aurai remis la voiture en fonction. J'ai dit que par la suite, j'ai changé les quatre roulements de roue arrière parce que j'en ai deux qui sont morts. Je mets les quatre en neuf. Devant. Changement de moyeu, de porte-moyeu côté conducteur parce que les roulements battent dedans. J'en ai un, mais je l'avais usiné pour essayer de monter parce que ça allait pas. Et au final, c'était normal parce que c'était pas un Virgo mais un Lyra. Et c'est pas tout à fait les mêmes. Au niveau du déport, c'est pas les mêmes. Donc, je changerai le porte-moyeu côté conducteur avec deux roulements neufs aussi. Le moyeu est neuf. Côté conducteur passager, faut que je voie l'état du porte-moyeu, voir si les roulements tiennent bien dans le porte-moyeu. Si les roulements tiennent bien, je change les deux roulements et le moyeu également. Je mets le même moyeu qu'à gauche, également en neuf. Comme ça, au niveau du train, tout est neuf. Cardan côté conducteur, je le change parce que le cardan de Nessica, je peux pas serrer les coups de cardan au maximum. Je ne sais pas pourquoi. Puis de toute façon, ce cardan commence à me casser. Celui avec soufflé de cardan percé, j'ai changé les soufflets de cardan. Et finalement, bah, il pisse la graisse. Donc j'en ai dit que j'en avais marre. Que le cardan côté conducteur, je le passe en neuf. Je rechange les deux triangles de direction. Puisque le côté conducteur est un occase. Que le côté passager est un neuf, vu que celui de neuf a cassé. Donc je me doute que le côté passager va faire pareil. Donc je reprends deux triangles neufs, deux rotules de direction neufs, deux rotules de suspension neuves. Je l'emmène chez un garagiste pour faire le parallélisme. Je remonterai deux pneus intégralement neufs à l'avant parce que les pneus que j'ai, c'est des pneus d'occasion et ils sont craquelés. Donc je remonterai deux pneus neufs, mais je ne les change pas tant que j'ai pas fait le para parce que je vais les bouffer très vite. Et une fois que ça c'est fait, je m'arrêterai là pour les réparations. Je me mettrai à la recherche d'un nouveau véhicule. Et je change de voiture parce que celle-là, elle commence gentiment à me casser. Donc là, je vais refaire ma boîte. Je vais tout nettoyer, tout remonter. Et je vous montrerai après les anciennes pièces de la boîte de vitesse. Donc voilà comment que j'ai réparé. Alors je te mets dans le bon sens, ça sera déjà mieux. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'il y aura, mais tu vois, j'ai mis une grosse plaque en ferraille là. Donc c'est du 3, quasiment 3 mm d'épaisseur, ça fait 2,70. J'ai bah, recreusé à l'intérieur, tu vois, pour pouvoir remettre le levier de vitesse, tu vois. Voilà, regarde. Franchement, maintenant ça marche nickel. Ça n'a plus rien à voir avec avant. Tu vois, il en reste même. Bah tiens, ça c'est. Je ferai mumuse avec l'aspirateur après. J'ai également refait le trou pour replacer le joint. Qui est là.
Donc là, c'est fixé par deux boulons d'origine. En dessous, j'ai mis des écrous en nil stop en M6. Et la plaque par elle-même, je l'ai refixée. Il y a trois boulons à l'arrière, trois boulons à l'avant. C'est du 8, du M8. J'ai mis quand même des rondelles par précaution, même s'il n'y avait pas besoin. J'ai quand même préféré. En dessous, là, à l'avant, sur ce boulon-là, et à l'arrière, sur ce boulon-là, il y a également de la tôle comme ça, mais qui va pas jusqu'au bout parce que sinon après je peux plus remettre les câbles. Mais ça doit à peu près arriver à la hauteur des deux boulons. La même épaisseur avec rondelle. J'ai mis deux écrous parce que j'avais pas d'écrou nil stop, donc j'ai mis deux écrous. Pareil de ce côté-là. Ici. Et là, il y a deux rondelles normales, hein, deux rondelles comme ça, avec une rondelle comme ça de chaque côté, avec les deux écrous aussi, hein, sur chaque vis. Hein, voilà. Donc là, maintenant, c'est du costaud. Ça bouge plus. Parce que ça s'est arraché d'ici, sur la voiture. Et t'es pas obligé de me croire, hein, mais j'ai commencé. Sans déconner, j'ai commencé. Il devait être. J'ai commencé, il était 10h30 du mat, et j'ai fini il y a quoi? Il y a. Actuellement, on est quelle heure? Là, il est 22h21. J'ai dû arrêter. Il devait être 20h30. Donc j'ai passé la journée là-dessus quand même. Malgré que ce soit pas gros, toi c'est pas grand-chose, hein, mais j'ai passé la journée. Voilà. Et surtout de reposer les nouveaux câbles, hein, qui m'ont fait chier. Donc rebonjour. Il est temps de clôturer cette vidéo. Déjà, on va commencer par un truc. Je vous ai expliqué que j'ai eu que des merdes avec la voiturette. Donc je sais plus trop ce que j'ai dit dans la vidéo parce que comment dire? Actuellement, on est le 16 novembre. Avec depuis juillet. Enfin, juin-juillet, on va dire. Ça n'arrête pas, donc c'est pour ça que j'ai jamais pris le temps de finir la vidéo. Là, je sais que je vous avais parlé de la boîte de vitesse, hein, qu'elle avait pété. Mais je devais vous montrer les pièces et je ne l'ai pas encore fait. Donc je vais vous montrer ça et après on va passer sur le nouveau problème. Pourtant, c'est une voiture sans permis que j'ai acheté, c'est pas un Kinder Surprise. Donc, la boîte qui a cassé sur la voiture, je l'ai ouverte parce que je n'explique pas la casse en sachant que cette boîte, je l'avais rénovée. Donc, le problème, c'est que cette boîte de vitesse, elle n'est pas du tout réparable. Enfin, je l'ai réparée parce que j'ai changé les pièces vu que j'en avais. Le différentiel, il y a une dent qui a sauté ici. Il manque un morceau. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a un autre endroit aussi. Je sais plus. Non, c'est le seul endroit où que le différentiel est cassé. Mais même s'il y a que ça, je peux pas le remonter. Je crois que si je dis pas de conneries, je crois que même là-dedans, ça avait cassé. À l'intérieur du différentiel. Non. Il y a que là que ça a été cassé. Sur le bloc inverseur, là par contre, ça fait beaucoup plus de dégâts. Il y a. Je parle en dents cassées. Hein. Il y en a une. Il y en a deux. Crois qu'il n'y a que deux dents. Sur le petit pignon. Le grand. Je crois qu'il avait été morflé aussi, celui-là. Je sais plus trop. Non, il n'est pas cassé. Enfin, deux dents sur le petit, une dent sur le différentiel. Ça, il a plié à la casse de la boîte. C'est quand j'ai voulu le remettre après avoir changé de différentiel et le bloc inverseur. Ça sélectionnait plus. Et ben, si je le pose, je ne sais pas si vous arrivez à voir.
Mais l'axe, en fait, il est plus droit. Donc, pourquoi que la boîte elle a cassé? En sachant, je l'avais démontée, parce que je l'avais montée comme ça au départ, et elle commençait à grogner, comme s'il y avait les roulements de boîte qui étaient morts. Et avant que ça lâche complètement, parce que c'est à cause de ça que la première boîte de vitesse a cassé, c'est qu'il n'y a pas eu d'entretien sur cette bagnole, la vidange de boîte, elle n'a jamais été faite, les roulements de boîte n'ont jamais été faits, jamais été faits, et ça a cassé à cause d'un roulement de boîte. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Le gars qui m'a vendu la voiture sans permis, j'y ai dit, attends, la boîte, elle a pété, c'est pas normal. Quand j'ai démonté, bah, très clairement, il n'y avait quasiment pas d'huile dedans. Il m'a donné une boîte qui venait d'une Châtenay Média. Donc, c'est les mêmes boîtes, les mêmes moteurs. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le petit hic qui s'est passé, très clairement, c'est que c'est une boîte qui a déjà été ouverte. Donc déjà, joint de carter de boîte était en option, ils avaient monté ça à la pâte. Donc on peut mettre de la pâte, mais il faut obligatoirement mettre le joint. Parce que le joint, certes, il sert d'étanchéité, mais il sert pas que à ça, il sert aussi, il fait office de cale, si on peut dire. Et le truc, c'est que eux, ils ne l'ont pas remis, enfin ils n'en ont pas racheté. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la boîte était trop comprimée déjà. Moi, je m'en suis aperçu au démontage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté la boîte. J'ai nettoyé les carters, j'ai nettoyé les plans de joint, j'ai nettoyé les engrenages, le différentiel. J'ai tout nettoyé. La seule chose que j'ai pas pensé à faire, et j'aurais dû le faire, c'est que normalement, là-dessus, il y a des clips, il y a des rondelles, il y a un autre bloc qui vient dessus, que j'ai gardé. Qui est là avec je crois qu'il y avait ça aussi. Normalement vous avez ça qui vient là et je crois qu'il y a ça qui vient au bout avec des rondelles et des clips. Je vous avoue que j'ai pas tout parce que je vous expliquerai pourquoi après. Et ça, il y a ça qui passe la vitesse. Voilà. Le problème c'est que cet axe là normalement, moi quand j'ai refait la boîte, j'ai rien nettoyé, j'ai rien démonté de tout ça. Lui je l'ai laissé en un seul bloc. J'ai juste fait tremper dans de l'essence pour le nettoyer. Et après, je l'ai fait tremper dans du gasoil pour enlever les hydrocarbures, vu que c'est pas censé être baigné dans de l'essence. Et comme ça m'a permis de la lubrifier un petit peu. Une fois que ça a été fait, j'ai changé les roulements de boîte. J'ai mis des roulements haute vitesse, les roulements à billes standard. J'ai mis des haute vitesse en cache C4. Renforcé, donc cache polyamide, et le roulement de l'axe du variateur de boîte, j'y ai carrément collé un roulement à rouleau. Ce roulement-là m'a coûté quand même 55 €. J'ai changé l'intégralité des joints SPI, donc le joint SPI d'axe de sortie de boîte, donc où vient le variateur de boîte, et les deux joints SPI de cardan. C'est du double lèvre. J'y ai remis de l'huile de boîte neuve, donc de la 75. Je crois que c'est de la 75-90, là-dessus, je sais plus trop. 80-90. J'y ai mis un litre. Bruno m'avait dit que c'était 500 ml, mais j'y crois pas, parce que ma DT50, c'est 500 ml. Donc ça peut pas être ça dans la boîte de la voiture. Et de toute façon, c'est niveau par débordement, et ça a commencé à couler à la fin du bidon d'un litre. Donc voilà. Et le truc, j'aurais dû démonter le bloc inverseur dès le départ, parce qu'en fait, quand j'ai cassé la boîte de vitesse, moi, j'ai été chercher une autre boîte de vitesse que le garagiste m'a vendue, mais j'avais des problèmes avec, ça grinçait, je pensais que c'était la boîte. Et du coup, ce que j'ai fait, j'avais gardé mon ancienne boîte de vitesse, et les éléments qui étaient cassés, je les avais dégagés. Donc le pignon de marche arrière, je l'avais dégagé parce qu'il était mort. Et l'axe de variateur de boîte, je l'avais dégagé parce qu'il était également mort. Mais par contre, j'avais gardé le différentiel qu'à la base, j'avais mis en vente sur le bon coin. Et c'est jamais parti. Et les carters. Les carters sont pas cassés. Par contre, le truc, c'est qu'avec les carters que j'avais montés, je perdais de l'huile de boîte. J'avais une fuite. Donc du coup, j'avais récupéré mes carters d'origine. J'ai récupéré tous les roulements que j'avais dans ma boîte, qui venaient juste de casser, c'est-à-dire qui venaient juste de péter, parce que les roulements, ils étaient neufs.
Ils avaient, je crois, 3000 km. Donc, j'ai tout récupéré, j'ai tout nettoyé. Les joints spi, pareil, je les ai démontés proprement, je les ai nettoyés. Le truc qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à démonter la pièce là que je vous ai montré en vidéo la dernière, là, le bloc inverseur, quand j'ai commencé à le démonter, j'ai classé pièce par pièce. Et ensuite, quand j'ai commencé à démonter le deuxième que j'avais, pour les nettoyer et les contrôler et tout, je me suis aperçu qu'en fait, parce qu'à la base, comme vous avez vu, il n'y a que le petit pignon qui était mort. Donc je voulais récupérer uniquement le gros pignon de l'autre. Parce que la boîte que j'ai récupérée, de Châtenay Média, parce que c'est moi qui étais allé démonter, je savais le kilométrage qu'elle avait. La mienne, je savais pas. Donc j'ai préféré mettre des pièces où j'étais sûr du kilométrage, mettre un maximum de pièces où je savais le kilométrage. Le truc, c'est que quand j'ai commencé à démonter celle-là, là, et que je me suis aperçu qu'il manquait des rondelles, quand j'ai démonté celle-là et qu'après j'ai démonté l'autre, pour faire le changement juste de l'arbre, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà sur celle que la première j'ai démonté, celle qui était de la deuxième boîte, je me suis rendu compte que déjà il y avait un clip qui était cassé, donc on pouvait pas mettre la pince. Et après, quand j'ai réussi à faire sauter le clip au tournevis, je me suis aperçu qu'il manquait une rondelle. Du coup, je me suis dit, peut-être que c'est la boîte que j'avais, la première, où il y avait peut-être une rondelle en trop, peut-être pour ça qu'elle a pété. Du coup, j'ai sorti la revue technique de la voiture, puisque j'ai la chance d'avoir la revue technique intégrale de cette bagnole. Donc, j'ai la revue technique de la voiture, donc de la coque, du faisceau électrique. J'ai toute la revue technique de ça. Et j'ai aussi la revue technique du moteur. Et aussi celle de la boîte, celle de la boîte qui du coup est sur la revue technique de la voiture. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, la deuxième boîte de vitesse, donc la dernière qui a pété, que j'ai commencé à vous parler en vidéo, il manquait une rondelle. Donc, c'est pour ça que la voiture, à ce moment-là, elle avait des problèmes de puissance, que quand on tournait les roues, quand elle était levée, ça faisait un bruit de grincement, un bruit métallique de pignon. Et c'est pour ça qu'elle a cassé celle-là. Du coup, sur cette boîte-là, j'ai récupéré... pas grand chose, j'ai récupéré le pignon de marche arrière avec l'axe et j'ai récupéré l'arbre de boîte, l'arbre du variateur de boîte et c'est tout. Du coup, j'ai récupéré sur mon ancienne le différentiel, le bloc inverseur et le sélecteur. J'ai pas changé le machin parce que j'ai peur que ça aille fragiliser les crabots. Donc, j'ai préféré ne pas le mettre. Par exemple, ça, j'ai les crabots de boîte. Je suis pas, du coup, vu qu'il manquait des rondelles dans le dans ces pièces-là, vu que là-dedans, il manquait une rondelle, qu'il y avait un clip qui était cassé, et que je ne sais pas si ça a été cassé au remontage ou ça n'a pas cassé, plutôt quand eux, ils ont essayé de démonter cette pièce-là, je n'en sais rien. Du coup, j'ai préféré ne pas prendre de risque. Du coup, j'ai récupéré tout le bloc de ma voiture. Enfin, je veux dire, tout le bloc de ma première boîte de vitesse. Et du coup, sur la boîte, la dernière boîte qui a cassé, j'ai récupéré uniquement l'arbre de sélecteur, l'arbre de variateur de boîte. Pardon, où vient le variateur de boîte dessus. Et j'ai récupéré aussi le pignon de marche arrière ainsi que l'axe. Et j'ai récupéré tout le reste de mon autre boîte. Donc ça fonctionne maintenant. Le problème que j'avais avec l'autre boîte, c'était pas la boîte parce que quand j'ai refait celle-là, ça m'a fait exactement pareil. Et c'est tout simplement parce que j'ai eu aussi un patin de variateur qui a cassé ce jour-là. Comme je vous ai dit, j'ai eu que des merdes. J'ai un patin de vario qui a pété, enfin qui s'est fait la malle. Et quand j'ai démonté, que j'ai refait ça, il faisait pas de bonheur. Là, très clairement, il fait nuit. J'ai la lampe à gaz là-haut qui tourne et une lampe là qui tourne. Ça, sinon, il n'y aurait pas assez de luminosité. Et du coup, j'ai mal remonté mon variateur de boîte. En fait, je l'ai mal calé. Et en fait, il y a des patins dessus et les patins en plastique. Et il y a les patins de la joue de la cam. Et au lieu de les passer... comment je pourrais dire, devant ou derrière, je vous montrerai tout à l'heure sur la voiture, ça sera plus simple. Mais en fait, je les ai mal... un exemple, au lieu de les mettre devant, je les ai mis derrière. Ce qui fait que le variateur, il n'était pas en contrainte. Et ce qui fait que ça faisait un sale bruit quand je roulais.
Voilà. Là, le nouveau, la nouvelle avec la voiture, c'est maintenant, c'est le chauffage. La ventilation, pour être exact. Je vais aller vous montrer, vous allez voir, c'est marrant. Je vous présente une voiture sans permis, sans tableau de bord. Au passage, je ne remercie pas Microcar hein, quand ils ont conçu cette voiture-là. C'est une merde quand il faut démonter un truc là-dessus. Alors, donc déjà, quand j'ai eu la voiture, il a fallu que j'intervienne sur l'électrique. C'est un peu compréhensif quand on voit la gueule du faisceau électrique. Le problème, c'est que quand j'ai eu la voiture, là normalement, vous voyez, il y a une gaine qui vient jusque-là. Et ben le problème, c'est qu'en gaine, il me restait plus que ce morceau-là, qui était collé à la voiture, enfin au bloc chauffage, et ce morceau-là qui était collé à la voiture. Entre les deux, il n'y avait plus rien. Moi, je l'avais réparé déjà l'année dernière, sauf que j'ai un petit malin que j'ai emmené qui n'a pas trouvé la meilleure solution que d'aller. Parce que la gaine, quand je la refais, ça réveille ici. Et j'ai un petit malin qui n'a pas trouvé la meilleure solution que d'aller me foutre le pied là-dessus. Ça, selon le magasin que vous allez chercher, ça coûte la peau du cul. Là, c'est un tube de poêle à granulés. J'en ai rien à foutre hein, si YouTube strike, j'en ai bon, rien à branler. Brico Leclerc, 41 € le mètre en diamètre 60. Brico Marché, 16 €, en sachant qu'il y a eu quand même pas mal de découpes. Donc j'en ai quand même pas rendu pas mal. Du coup, j'étais obligé de remettre les origines parce qu'en fait, sinon ça l'aurait pas fait ici, puis ça l'aurait surtout pas fait là-haut. Le petit souci qui se passe, c'est que les guignols qui avaient la voiture avant, ils n'ont pas trouvé la meilleure solution que d'exploser le boîtier de chauffage parce qu'ils ont collé un radiateur de chauffage dedans qui n'a rien à foutre sur cette bagnole. J'ai la date du radiateur, elle est de mai 2007. J'ai tapé la référence du radiateur sur Internet. Et c'est un radiateur de Châtenay Média. Le problème, c'est que Châtenay Média, ça a beau être les mêmes compteurs. Et plein de trucs, sauf que les radiateurs de chauffage, c'est pas les mêmes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pété le boîtier de chauffage et qu'ils l'ont même un peu découpé. Tout simplement parce qu'il passait pas. Et le problème qui se passe, c'est que le radiateur de chauffage, là, il est trop bas. Déjà, c'est le premier problème. Sauf que c'est pas le problème principal, si on peut dire. Je sais pas si je vais arriver. Je viens même de voir que j'ai une fuite, de toute façon. Je change le kit, je change le radiateur, je change le bloc chauffage, donc de toute façon. Mais en fait, le radiateur, il bouge déjà, premièrement. Mais deuxièmement, le problème principal, c'est le ventilateur. Ça, c'était la vitesse 1. Je le mets en 2 maintenant. Ça, c'était la vitesse 2. Allez, on se tente une petite 3. Le problème, c'est que j'ai de l'air que jusqu'à... Voilà, là. À partir de là, je sens plus l'air. Maintenant, vous dites, il y a un tableau de bord qui vient là. Avec ça qui vient contre le tableau de bord. Il y a de l'air au niveau du tableau de bord qui arrive. On va dire de là. Grosso merdo. Jusqu'à là, à peu près. Il y a une aération qui descend en bas. Et il y a une aération de chaque côté de la voiture. Normalement sur le tableau de bord. Et en fait, ce qui se passe, déjà le moteur était grippé. Il était grippé. Parce que vu que quand j'ai refait la voiture la première fois, j'ai fait ça avec des abrutis qui étaient avec moi. Résultat des courses, j'ai mal remonté le. J'ai pas remis la gaine correctement. Mais bon, de toute façon, ça n'explique pas vraiment le problème, si on peut dire. C'est surtout que le problème, ça n'explique pas le problème, hein. La flotte, parce que j'ai eu le problème déjà avant. Sauf que je ne l'ai pas refait tout de suite, ça marchait à peu près. Le truc, c'est que le guignol qui a fait ça, bah, il avait démonté la gaine, en fait. Enfin, il a dû essayer de la démonter. Et lui, il l'a rentré dans le boîtier de chauffage. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'espace entre le boîtier de chauffage et le ventilateur, ce qui fait que ça a forcé sur le ventilateur. Et le ventilateur,
Ils ont essayé de le démonter. Et comment je le sais? Bah, tout simplement parce que les deux hélices qui sont dedans, je ne peux pas vous montrer parce qu'il faudrait réouvrir le boîtier de chauffage et je l'ai scellé. Et le problème, c'est qu'ils ont essayé de démonter les hélices, je pense. Et le problème, c'est que au lieu de défaire les clips, eh ben, ils ont dû forcer sur les hélices. L'hélice, elle est cassée en deux. En fait, elle tient. Vous avez le trou au milieu où vient l'axe. Et eh ben, le trou, il est cassé en deux. Donc, ce qui veut dire que quand vous prenez l'hélice, c'est un peu compliqué à vous montrer comme ça. Et vous prenez l'hélice dans vos mains comme ça. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir vous montrer. Je ne suis pas avec la caméra, hein, je suis avec le téléphone. Et ben en fait, je vais vous montrer que avec ça, on va dire c'est l'hélice. Vous la prenez comme ça, vous faites ça et en fait, bah, le bas, bah, vous arrivez à la plier en fait et elle s'ouvre dans la largeur à peu près à ce niveau-là, pas entièrement. Elle est cassée en fait. Voilà, là, c'est à peu près le même système. Bah, en fait, ça là, c'est cassé. Voilà, là aussi, et c'est qu'il doit rester peut-être ouais, du bord là, du bord en haut jusqu'à à peu près là, qui n'est pas cassé sur les deux hélices. Donc ça, c'est cool aussi, c'est génial. Et le truc, c'est que bah, le moteur de ventilation, il est plus fabriqué en neuf, donc bah, c'est pratique. Et le souci, c'est que c'est pas le seul problème que j'ai actuellement avec la voiture. Il y a plus grave. Il y a beaucoup plus grave. Je vais vous enlever le capot. Peut-être enlever des commodos. Voilà. Donc, le moteur de chauffage, je l'ai emmené chez un garagiste cet après-midi. Et le verdict est que c'est un moteur qu'apparemment le moteur de chauffage de ventilation, le pulsaire d'air, il a chauffé. Donc s'il a chauffé, ça veut dire il est pas, il était grippé. Moi, quand je l'ai démonté, très clairement, il était grippé. Hein. Le moteur, on ne le tournait plus à main. J'ai fait sauter 8 fois le fusible du ventilateur. Mais je pense que ce n'est pas la première fois qu'il a ce problème-là, parce que moi, il a lâché hier. Enfin, ça m'est arrivé hier, exactement. Quand j'ai vu que j'avais ce problème-là, j'ai pas cherché à le laisser. Quand j'ai vu que bah, il me faisait sauter le fusible à chaque fois, je l'ai éteint. Je suis arrivé avec la voiture ici et j'ai démonté. Le problème, c'est que je pense que eux, ils ont eu le problème bien avant déjà. Il a dû commencer à se bloquer. Et au lieu de intervenir dessus ou éventuellement de le démonter correctement, parce que je sais qu'il a été démonté vu la gueule du machin, non, non. On a insisté, donc ça l'a fait chauffer. Il y a un moment, il a dû plus tourner du tout, et voilà pourquoi qu'ils l'ont démonté et qu'ils l'ont massacré. Maintenant, je vais vous parler du problème principal, et là, par contre, je rigole pas. Problème principal, c'est le machin noir avec le bouchon orange, là. Le moteur, pour être exact, il est mort. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Pourquoi tu dis qu'il est mort? La voiture démarre. Démarre quand elle est décidée. Le problème, c'est que la voiture, ça fait plusieurs fois que je m'aperçois que mon gasoil il devient noir comme du charbon. J'avais déjà découvert ce problème-là quand j'ai changé le berceau moteur l'année dernière là, chez l'autre tartempion. Le truc, c'est qu'on avait vu que le réservoir était noir. Nous, on a mis ça sur le fait que le gasoil était, le réservoir était encrassé. Donc on avait tout nettoyé, j'avais changé les durites intégrales. D'ailleurs, mon cul a toujours mal. Ce 64 € les 8 mètres, ça pique. En même temps, j'ai pas pris de la durite de merde, à part celle-là. Parce que Lombardini, vous êtes bien gentil. Enfin, Microcar, vous êtes bien gentil. Hein. Vous nous foutez une grosse durite côté réservoir, mais côté moteur, c'est du rikiki. Hein. Alors, je veux bien qu'il y a des moteurs avec pompe à gasoil mécanique qui se trouvent là. Hein, mais pensez à ceux qui ont un moteur avec pompe à gasoil électrique. Et d'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir d'un truc. Ok, bref. Et pensez à ceux qui ont une pompe à gasoil électrique ou c'est Rikiki ici. Donc voilà, donc il a fait shoot un adaptateur. Enfin ça, on s'en fout. Le problème, c'est que je trouvais ça bizarre que le filtre devienne noir. Au départ, quand j'avais vu qu'il noircissait le gasoil, je m'étais dit, bon, bah, peut-être qu'il y a un problème au niveau des joints de queue de soupape. Donc quand j'ai pété le deuxième joint de culasse, là, l'année dernière, enfin début de l'année, là, février, d'ailleurs, je vous reviens là-dessus. Je confirme, mettez des origines.
Parce que celui-là, il a fait, là actuellement, il a beaucoup plus de kilomètres que l'autre. L'autre, il a fait, je l'ai changé à 69 000, il a lâché à 70 000. J'ai dû le faire vers les 73 000 et actuellement, je suis à 78 000 et quelques kilomètres et il a rien. Quand je ouvre le radiateur, j'ai pas de retour de flotte. Quoique, dans un sens, j'aurais préféré, comme ça, au moins, j'aurais changé juste le joint de culasse. Alors, le problème, c'est que du coup, là, actuellement, ça ne peut pas être ça. Parce que quand j'ai refait mon joint de culasse, je disais, j'ai fait les 4 joints de queue de soupape et le rodage des 4 soupapes. Donc, j'ai 4 joints de queue de soupape neufs, un joint de culasse neuf, d'origine constructeur, serré aux coupes, serré à l'angle. Et les 4 soupapes sont rodées. Et j'ai passé du temps parce que j'ai quand même passé une journée là-dessus. Au total. Le joint de collecteur d'admission est également neuf. Le filtre à air, bon, il était neuf, mais vu à la vitesse que je les bouffe, j'ai décidé de plus le changer. Parce que le problème, c'est que j'ai une fuite à l'échappement. Et la fuite est du côté du filtre à air. Donc les gaz rentrent dedans. Donc je noircis le filtre à air comme pas permis. Enfin bref. Le truc, c'est que l'autre fois, j'ai fait le niveau d'huile. Il en manquait la moitié. J'ai remis la sonde, la jauge. Et peu de temps après, j'ai fait la vidange moteur. En sachant que j'ai déjà fait plusieurs vidanges, mais j'avais fait la vidange moteur pour remettre la bonne huile surtout. Le truc, c'est que... attendez, je vous reprends normal, ça va être plus simple. Et le truc qui s'est passé... Le truc qui s'est passé, c'est le truc qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma vidange parce que l'huile que le gars avait mis, c'était de la 1540 et c'est pas du tout bon pour ce moteur-là, faut de la 540. Et du coup, j'ai fait la vidange, puis j'ai roulé un petit peu. Enfin, j'ai dû faire, je crois, peut-être 200 km, je crois. Le niveau, il a descendu. Ça, c'est normal. J'ai remis de l'huile. Parce que j'avais fait vidange plus filtre à huile, donc le temps que le filtre il se remplisse, que l'huile passe tout partout, voilà. Le niveau a baissé. Et un jour, comme ça, j'ai fait 200 km, le niveau a baissé, j'ai remis de l'huile, j'ai refait 200 km, j'ai revérifié le niveau, il avait rebaissé un peu, donc j'en ai remis. Sauf que le problème, en général, quand je fais un niveau d'huile comme ça, que je fais une vidange, je revérifie mon niveau tous les 200 km. Sauf qu'actuellement, la vidange, ça fait peut-être 4 mois que je l'ai faite, et tous les 200 km, il me manque la moitié de la jauge. Et là, je suis à peu près sûr et certain que j'en ai remis il n'y a pas longtemps, et je suis sûr que si je tire la jauge de la voiture, je l'essuie d'abord parce que j'ai mis en route tout à l'heure, donc le niveau, il est faussé, de toute façon, il vaut mieux toujours essuyer une jauge la première fois. Je vais vous montrer la jauge. Ça, c'est minimum. Ça, c'est maximum. Et tous les 200 km, je suis entre les deux. Enfin, je suis plus. En fait, exactement tous les 200 km, je suis là. Normalement. Bon, là, j'ai pas fait 200 km depuis la dernière fois que j'ai fait le niveau d'huile. Remets la jauge, j'attends un petit peu. Pour le moment. J'en ai bouffé quand même un peu. Alors, pas beaucoup, mais j'en ai bouffé un tout petit peu. Qui, bien entendu, ne va pas se voir sur la caméra. Mais en fait, je me mets de la lumière. Je suis là. Vous n'allez pas voir sur la lumière, sur le portable. J'en ai bouffé un peu, mais j'ai pas fait 200 km là. Et en fait, tous les 200 km, je bouffe de l'huile. Et maintenant, je sais pourquoi que mon filtre à gasoil devient noir. Tout simplement parce que les segments du moteur sont morts. Ce qui m'a confirmé l'hypothèse, c'est que je tourne le moteur à la main. Actuellement, à froid, je tourne le moteur à la main. Sauf que c'est quand même un moteur qui fait 505 cm3. Vous allez me dire, mais c'est une voiture sans permis, ça ne peut pas faire autant. Si, si, si. Déjà, c'est un bicylindre. Ce n'est pas des pistons de mobylette dedans. C'est des gros pistons. Ça fait 505 cm3. D'origine, ça coûtait 45 parce que c'est méga bridé. Et le truc, c'est que moi, ma voiture, actuellement,
Dans les meilleurs des cas, elle monte à 70. Dans le pire des cas, elle dépasse pas 50. Mais c'est surtout que le problème, à froid, elle broute. Elle a pas d'axelle et de couple. Il y a pas longtemps, j'ai voulu doubler un mec qui était en vélo. J'ai pied au plancher, j'ai galéré. Et je me suis fait piner par la même bagnole bridée à 45. Donc la même une microcar Virgo, donc une 3, mais c'est la même voiture, le même moteur. Surtout que lui en plus, il est en pompe mécanique. Donc généralement, les pompes mécaniques, c'est moins puissant que les pompes électriques. Parce que c'est commandé par l'arbre à cam, donc ça bouffe une partie de la puissance du moteur. Le truc, c'est que je me suis fait piner et il est bridé à 45. C'est juste que ma voiture, il n'y a plus de couple. Et il n'y a plus de couple, pourquoi? Ben regardez bien le pourquoi du comment. Hélice de ventilateur. Le moteur, il est froid. Le moteur d'origine, il fait 4 chevaux. C'est un 505 cm3, je l'ai débridé à 9 chevaux, j'ai changé le ressort, il n'y a plus de bride ici. La vis de butée, elle n'y est plus. Dedans, j'ai changé le ressort. Je suis sur un ressort 3600 tours minute, au lieu de 2250 tours. Et il n'y a plus de rondelle de bridage dans le variateur moteur, il n'y a plus de rondelle de bridage dans le variateur de boîte. Et, le problème, je tourne le moteur à la main. Voilà, je tourne le moteur à la main. Là, si on fait logique, j'ai déjà fait 2 tours de moteur. C'est pas les jeux de culbuteur, j'ai regardé et il y a le jeu qu'il faut. Donc c'est pas ça. C'est les segments. Les segments sont tellement morts qu'en fait, je racle pas l'huile. L'huile n'est pas raclée correctement. Donc je disais, en fait, les segments sont morts, tellement morts que je racle pas l'huile dans les cylindres correctement, parce que normalement les segments sont censés racler l'huile, et bah là ça doit pas être le cas, ou alors ça me le... J'ai peut-être qu'un seul piston, hein. Je sais pas. Pour moi, je pense pas que j'ai une perte de compression sur les 2 cylindres. Mais normalement, d'après ce que j'ai vu sur la chaîne de Bruno Devine, il a fait un test de compression sur son moteur, on est censé avoir 30 bars. 30 ou 33 bars. Là, il n'y a pas 30 ou 33 bars. Et de toute façon, quand j'ai refait le moteur au mois de février, j'avais encore la compression parce que la voiture, j'avais récupéré la puissance maxi, j'ai monté à 80. Quand il y avait du vent, il y avait une petite perte de vitesse qui est tout à fait normale. Je descendais à 70, 65, ça dépendait du vent. C'est tout à fait normal vu que mon variateur de boîte, j'ai le frein avant gauche qui a tendance à rester légèrement bloqué parce que les coulisseaux d'étrier sont complètement morts. Et ce qui fait qu'en fait, dès qu'il y a un peu d'eau, ça se grippe. Et pour bien faire, il faudrait que je le fasse tous les mois. Et très clairement, j'ai un peu la flemme de démonter la roue, l'étrier tous les mois, de dégriffer le coulisseau. Ça, j'ai dit que là-dessus, je ne vais pas me casser le cul. Dès que je peux, je change les 2 étriers. Je remplace les 2 étriers par du neuf. De toute façon, tout le kit de frein avant et le cylindre de frein, donc de la pédale, va être changé. Comme ça, je serai tranquille. À part les plaquettes, parce que les plaquettes ne sont pas vieilles. Et les disques de frein, parce que les disques sont neufs. Celui que de droite, je l'ai récupéré sur une voiture, il était neuf. Et j'ai changé de côté gauche il n'y a pas longtemps. Parce que ça a pété aussi. Bah ouais. Quand la boîte, elle a pété, j'ai cassé aussi un moyeu ce jour-là. Comme je vous ai dit, j'ai eu que des merdes depuis juin à juillet. Ça n'a pas arrêté. Et il y a une perte de compression. J'avais de la compression. Le moteur avant, franchement, quand j'ai refait le jonculasse dans le début, le moteur, je ne pouvais pas le tourner à la main. C'était impossible, j'aurais pété l'hélice à essayer de le tourner. Là, je le tourne. Je le tourne le moteur, sans problème. Et là, il est froid. À chaud, j'ai un petit peu plus de compression. Mais c'est pas ça. Franchement, c'est pas ça. J'ai plus de compression à chaud parce que comme c'est fait là, les pistons, vu qu'ils sont en alu, et que le... Bah non, normalement le bloc, il en alu aussi. Et je crois que... Non, les siens, je crois qu'ils sont en fonte. Mais en fait, quand c'est chaud, le piston ou les segments doivent se dilater un peu et je récupère, on va dire, une compression. Pour bien faire, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de faire un test de compression. Sauf qu'il faut que j'achète un compressiomètre. Et ça me fait chier d'acheter un outil juste pour l'utiliser une seule fois. Parce que le problème, c'est que le compressiomètre, moi j'ai un moteur diesel, c'est pas le même que les essences. Ça aurait été encore un moteur, la voiture, elle aurait été en moteur essence, je l'aurais commandé.
J'aurais pu l'utiliser sur les bécanes, quoi. Par exemple, pour le DT, j'aurais pu le savoir. J'aurais pu, voilà, parce que c'est les mêmes filetages. Tandis que là, on est sur du diesel, donc bougie de préchauffage et bougie crayon, c'est pas du tout fait pareil. Du coup, bah, le moteur, il va être à remplacer. Le petit problème, c'est qu'un moteur d'occasion, pour cette voiture-là, sur Internet, c'est au bas mot 1000 euros. Et c'est trop cher. Je vais vous dire pourquoi c'est trop cher. Parce que moi, je connais des gens qui ont acheté des moteurs pour des vraies bagnoles et ça dépassait pas 500 balles. Donc, je suis pas d'accord de payer 1000 balles pour un moteur de voiture sans permis qui a deux cylindres en moins qu'une voiture normale. Je suis pas d'accord. J'ai mon garagiste, normalement, qui les vend 500 euros, mon garagiste qui fait voiture sans permis, scooter, moto. Le problème, c'est que ces moteurs-là, et bah, vu que sur Internet, ils sont archi chers, bah, quand il en a en stock, c'est simple, il reste une semaine, puis ils sont vendus. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de monde qui cherche à faire du stock, soit pour récupérer de la pièce détachée, soit pour avoir des moteurs qui vont refaire, et au cas où ils pètent le leur, ils en ont un d'avance. Le moteur, on va dire, le moteur par lui-même, il n'est pas mort. Il est refaisable. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas me permettre de rester sans voiture. Vous allez me dire, ben, si tu commandes des pièces, elle roule encore ta voiture, tu roules comme ça, et après tu commandes des pièces, bah non, je peux pas. En fait, je peux pas, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut que je commande les bons segments. Et le problème, c'est qu'il y a trois tailles différentes de segments. Et normalement, le moteur qui était censé y avoir sur cette bagnole, c'était le Lombardini Fox LDW502 M3 en pompe à gasoil mécanique, comme la voiture à Bruno. Donc avec le gros porte-filtre avec la cartouche et la pompe mécanique. Et ensuite, il y a le dernier qui est actuellement sur ma bagnole, le LDW502 M3 en pompe à gasoil mécanique et normalement avec filtre à air à cartouche. À savoir que les deux modèles d'avant, normalement, ont le filtre à air à boîtier, comme moi j'ai sur la voiture. Sauf que la bagnole avant, ils ont changé le moteur parce qu'ils ont pété une bielle. Qu'on m'a pas dit, mais que j'ai appris. Par contre, ils ont pété une bielle, ils ont changé le moteur, sauf que ces petits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré la culasse de l'ancien moteur, parce que c'était pas le même filtre à air, parce que c'était un filtre à air à boîtier, et que tout simplement, à cartouche, l'ancien, enfin, l'ancien était un filtre à air à boîtier, et que l'autre c'était un filtre à air à cartouche. Du coup, ils ont récupéré ça. Sauf que ils ont mis les injecteurs 903 dessus. Mais ils ont déréglé la quasi-totalité de l'injection. Donc ça, c'est pas cool aussi. Enfin, je pense, hein, j'ai la supposition. Et le problème, c'est que le moteur, il y a eu, quand j'ai refait le berceau moteur, comme vous savez, j'ai fait une surchauffe. À cause du fait que le berceau est de très bonne fabrication, puisque le radiateur de Virgo 2 ne se monte pas dessus d'origine, on est obligé de faire des modifs. Donc du coup, parce que en fait c'est un berceau de Virgo 3 qu'ils m'ont vendu, mais moi c'est pas une Virgo 3, c'est une Virgo 2. Et les radiateurs de Virgo 2, c'est pas les mêmes, ils sont plus épais. Ils sont plus épais et la durite du carlosta arrive sur la même durite que la durite principale inférieure. Donc la durite a tapé le vilebrequin. Puisque j'avais un branquignol avec moi ce jour-là, ça a été fait comme de la merde, il y a des trucs qui n'ont pas été serrés. Il n'a pas pensé à vérifier que la durite touchait le vilebrequin, surtout que c'est quand même lui qui s'est occupé du montage du radiateur. D'ailleurs, si vous allez sur la chaîne YouTube, vous allez voir la vidéo, vous allez vous en apercevoir. Moi, j'ai pas quelqu'un qui est censé se connaître en mécanique, j'ai pas pour habitude d'aller vérifier le travail qu'il fait. Du coup, ça m'a coûté durite inférieure, ça m'a coûté radiateur et ça m'a coûté un jouet de culasse. Au départ, quand j'ai vu qu'elle me bouffait le liquide de refroidissement, j'ai bouffé 15, 3 bidons de 5 litres de refroidissement. C'est grâce à Bruno qu'il m'a dit, regarde si tu as un refoulement de liquide de refroidissement dans ton radiateur, et si ça te fait ça, joins de culasse. Donc j'ai regardé, effectivement j'avais le refoulement. J'ai commandé joints de culasse pas cher à 24 euros. J'ai commandé les joints d'injecteur, la totale, donc les joints de l'écrou, les joints qui viennent autour, qui sert à rentrer dans la culasse, les quatre petits joints de la rampe à gasoil, le joint qui vient au bout de la rampe à gasoil,
La totale, les vis de culasse, les rondelles de vis de culasse. Joint de collecteur d'échappement, joint de collecteur d'admission. Ce jour-là, j'ai pas fait les joints de queue de soupape et j'ai pas fait le rodage soupape. Pour la seule et simple raison que, vu que j'étais pas vraiment sûr que c'était ça le problème, ça aurait pu que ça soit la culasse qui était fissurée ou déformée. Voilà, donc j'ai pas voulu non plus aller trop dans le détail, hein, sachant que je m'étais tapé peu de temps avant berceau moteur, les deux triangles, les quatre rotules. Ça a fait mal déjà. Et que un mois après, je me suis tapé joint de culasse kit distrib complet. Donc pompe à eau, galet, tendeur et courroie. Joint et tous les joints. Et du coup, j'ai pas fait ça. Puis de toute façon, j'avais pas les outils à ce moment-là. Je pouvais pas les commander. Parce que déjà, j'ai eu de l'imprévu. Le boîtier Carlostack avait cassé. Qu'il a fallu que je recommande. Le Carlostack, il a fallu que je change. Et peu de temps après, j'ai eu les deux durites. La durite supérieure a changé et la durite inférieure a changé. Donc là-dessus, sur le refroidissement, j'ai quand même trois tuyaux qui sont neufs. Les seuls qui ne sont pas neufs, c'est chauffage. Et plus de problème à ce niveau-là. Le truc, c'est que novembre 2022, la voiture, elle a commencé fin octobre, début novembre, elle a commencé à avoir des grosses difficultés de démarrage. Ça, je vous l'ai montré sur la vidéo joint de culasse numéro 2. Je vous remets en fiche, si j'y pense, là-haut. Et du coup, quand j'ai regardé par le niveau, par le radiateur, refoulement de liquide de refroidissement, surconsommation de gasoil. Là, par contre, ça, je ne l'avais pas eu avec la première joint de culasse. Le premier joint de culasse, je vais revenir dessus. Le joint n'était pas cassé, mais je vais y revenir dessus après. Et du coup, quand j'ai démonté le joint de culasse, en fait, la pellicule qui sert d'étanchéité, qui est littéralement de la merde, elle a transféré sur la culasse, mais elle s'est détachée du joint. Ce qui fait que plus d'étanchéité au niveau des pistons, donc c'est pour ça que la voiture avait du mal à démarrer. C'est pour ça que je vous dis que là, la voiture, il y a encore un semblant de compression. Par contre, j'ai autant de performance que quand le joint, il a lâché. J'ai une perte de puissance comme j'avais à ce moment-là. Par contre, la voiture, je démarre toujours bien. Bien. Au bout du troisième coup de démarreur, mais bien quand même. Par contre, au ralenti, elle tourne comme une merde. Ça, je ne peux pas vous montrer là, il est trop tard et je ne vais pas la mettre en route à ce temps-là. J'ai fait ça et y a ce problème, il y a ça. J'ai fait ça, j'ai changé le joint de culasse en février 2023. Actuellement, on est en novembre. J'ai dû lui coller, je l'ai fait à 73 000 et quelques, je crois que je l'ai fait le joint de culasse. Et là, actuellement. Oui, le compteur, il est pas sur la. Et actuellement, au compteur, j'ai 78 201 km. Donc, j'y ai mis 5000 km dedans. Donc j'ai fait plus de kilomètres hein, que le premier, parce que le premier je l'avais fait en. Je l'avais fait entre juillet et août 2022, et il a pété fin octobre, début novembre 2022. Donc il a fait septembre, octobre, il a fait 2 mois. Et là il est dessus depuis février, ça va faire quasi un an qu'il est dessus. À 3 mois près, ça fait un an qu'il est dessus. J'ai fait rodage choupape et tout. Il n'a jamais répété. Et actuellement, il est tout. J'ai toujours. J'ai une fuite d'eau, mais enfin, je perds de l'eau, mais là, je sais d'où que ça vient. C'est une fuite au radiateur. Mais j'ai pas de refoulement. Ce que j'avais avant. Maintenant, je reviens sur l'ancien joint, le premier joint de culasse. J'ai cru qu'il avait cassé. Mais en fait, le joint n'était pas à casser. Ce qui s'est passé, c'est que vu que c'est tartampion. On récupérait la culasse du moteur d'origine de la voiture et que le moteur qui est dessous n'est pas le moteur d'origine. Le moteur, il est daté de 2012. Il est de. Faudrait que je regarde sur le joint de culasse parce que je l'ai gardé le joint de culasse le tout premier. Il y avait la date dessus. Je crois qu'il est de avril 2012, hein, si je ne dis pas de conneries, du 12 avril 2012 exactement. Et le moteur, le bloc, il est daté de 12 avril 2012. Et le joint exact est pareil. Donc déjà, ces guignols, ils ont récupéré la culasse de l'ancien moteur sans changer le joint de culasse. Sur une mobilette, on peut le faire.
éventuellement. Sur une mob, on peut le faire. Sur une bagnole, mais jamais on fait ça, jamais. Sur une voiture, que ce soit une voiturette, une voiture normale, vous démontez la culasse, le joint de culasse, vous le prenez, c'est poubelle. Et vous en mettez un neuf. Et vous mettez le bon, parce que là-dessus, il y a trois modèles de joint de culasse. Trois épaisseurs différentes. Moi, c'est l'intermédiaire que j'ai sur celui-là. Le problème, c'est que c'est pour récupérer la culasse du moteur d'origine, donc de l'ancien moteur. Ils l'ont enquillé sur ce moteur-là, donc pas de problème. Tu peux. Mais au moins, tu sers la culasse correctement. Au couple. Et dans l'ordre. Normalement, tu sers les deux du milieu. Tu fais la première au milieu. Tu fais la deuxième en haut. Ensuite, tu fais la troisième. Sur la gauche ou à droite, peu importe. Ensuite, tu redescends. Et ensuite, tu repars. Tu fais la dernière, celle qui est tout à l'opposé, donc au fond. Et ensuite, tu remontes. Tu fais ça pour le couple et tu fais ça pour le serrage à l'angle. À savoir que si je dis pas de conneries, il faudra que je revérifie sur la revue technique. Je vais te dire peut-être une connerie, donc prenez-en pas garde de ce que je vais dire. Basez-vous aux revues techniques. Mais je crois que c'est une fois. C'est deux fois 40 Nm, je crois. Donc tu fais le premier serrage à 40 Nm. Tu refais un deuxième serrage à 40 Nm. Et ensuite, le troisième serrage, c'est à la clé angulaire. Avec ça. Donc, serrage à l'angle. Et c'est une fois 90 degrés. Je crois que c'est deux fois 40 Nm et une fois 90 degrés. Ou une fois 40 Nm et deux fois 90 degrés. Après, ça dépend aussi de la visserie, de la longueur de ta visserie. Mais de toute façon, dans tous les cas, il faut quand même changer les vis. Et il faut se baser à ce qui est écrit sur la tête de vis. Il y a des écrits. J'en ai des vis neuves ici qu'on m'a donné. Que d'ailleurs, je vais emmener à la maison avec le classeur. C'est comme ça, je vais pouvoir contrôler ça. C'est ce moteur-là, même si je vais le changer, je vais le refaire par la suite. Voilà. Ouvert par contre, il n'y a pas les j'ai pas les rondelles, donc ça par contre quand même que je les commande les rondelles. Voilà, mais normalement voilà. Ah, les vis qu'on m'a donné, c'est pas les bonnes. Merde, c'est pas les bonnes vis. Pourtant c'est marqué Lombardini. Bon bref, mais normalement ça c'est pas les bonnes vis, hein, je vous le dis tout de suite. On me les a donné, mais c'est pas ça, hein, sur le moteur. C'est du pas normal, là c'est du XZN, donc ça c'est pas ça. Mais par contre, il y a un marquage normalement dessus, il faut regarder sur la tête. Et en plus, je crois que les vis sont plus fines celles-là. Elles doivent pas être les bonnes. Et vous regardez ce qui est marqué sur la tête de vis, ou au pire, vous les mesurez. Et ensuite, bah, vous récupérez. Comment je pourrais dire ? Bah vous regardez sur la revue technique, de toute façon il vous faut la revue technique, hein, ça y a pas à tortiller. Et puis bah voilà quoi. Et le problème c'est que eux, ce qu'ils ont fait, bah, c'est qu'ils n'ont rien serré au couple. Mais le plus grave, c'est que sur les 6 vis, il y en avait que 2 qui étaient serrés. Les deux du milieu, quand j'ai commencé à desserrer, j'ai fait un ordre de desserrage. Normalement il n'y en a pas, mais j'ai quand même préféré. J'ai commencé par desserrer la première au milieu, j'ai forcé. La deuxième au milieu, j'ai forcé. Par contre, quand je suis arrivé sur les latérales, j'ai mis le cliquet et j'ai à peine fait ça. Sur les quatre. Donc la culasse n'était pas serrée sur les côtés. C'est pour ça que j'avais un refoulement d'eau. Mais le joint n'est pas flingué. C'est ça le pire, c'est que le joint il n'a rien. Mais j'avais commandé le joint moi. Donc je l'ai mis en neuf. De toute façon, vu que j'avais démonté, je ne pouvais pas le remettre. Et après, bon, bah, je sais qu'il avait été démonté et qu'il a été remonté ce mois. Donc voilà. Donc j'ai que des merdes. Franchement, j'ai que des merdes. Je vais avoir la crémaillère de direction aussi à changer parce que la crémaillère. Je vais vous montrer ça aussi. Cette vidéo va être longue. Je sens que je vais en chier pour faire le montage. Si j'ai la clé du contact, ça pourrait être bien. Alors, je sais pas si ça va s'entendre.
Donc, je viens d'écouter la roche. Normalement, sur la fin, on l'entend bien. Ça me le fait que quand je tourne à droite, ça me le fait pas à gauche. Par contre, c'est pas les rotules de direction parce que je les avais changées, elles étaient neuves. Il y en a qu'une actuellement qui n'est plus neuve dessus parce que j'ai fait la grosse erreur d'avoir prêté ma voiture. Ça m'a coûté un triangle, une jante et un amorto puis un. Bah une rotule. L'amorto, ça avait sauté le ressort, mais ça l'a un petit peu plié. Donc les amortos, ça me fait chier parce que je les avais changés, je l'avais fait en vidéo d'ailleurs. Mais de toute façon, les quatre amortos vont y repasser. Je les rechange, mais cette fois, je ne prends pas les merdes là, que j'ai acheté là, les trucs pas chers. Origine. Comme ça, je suis tranquille. Parce que celles arrière sont trop souples. Et bah celle avant, un trottoir, parce que j'ai perdu le contrôle de la voiture à cause du fait que le triangle neuf que j'avais monté, le mec quand il a sauté le dedans, il me l'a fragilisé, et moi en prenant un virage, il a cassé, j'ai perdu le contrôle de la voiture. Et vous pouvez toujours essayer de rattraper une voiture qui a un triangle qui casse, vous la rattrapez pas. C'est impossible. À part piler, mais le problème c'est que moi j'ai pas pilé parce que vu que j'avais pas encore fait le parade, donc il y avait un petit déséquilibre, donc ça aurait été encore pire. J'ai tapé dans le trottoir, ça a cassé le triangle, et du coup je suis revenu ici chercher le triangle d'origine parce que ça ne m'arrivait pas très loin d'ici. Je l'ai remonté, j'ai ramené la voiture, sauf que bah, j'avais le volant qui était comme ça, bien droit. Donc quand j'ai démonté le lendemain, j'ai vu que la rotule a été, au lieu d'être comme ça, bah, elle était comme ça. Donc j'ai changé la rotule, j'ai remis une ancienne aussi. Et du coup, bah, le problème, c'est que après, j'ai quand même regardé si ça n'avait pas fait des dégâts sur le berceau et ça l'avait fissuré. Donc, ça prouve bien la solidité de ce berceau de merde, en sachant que le premier était d'origine de la bagnole et qu'il avait quand même un bon kilométrage dans les dents et qu'il en a pris de l'accident ce berceau. Parce qu'à savoir que la voiture, l'ancien propriétaire qui me l'a vendue, le mec qui l'avait avant, il avait fait un choc avant droit avec. Le berceau, il n'a pas branché. Et lui, il a fait deux fossés avec, il n'a pas branché. Et sa copine, elle est rentrée dans un mur à 50 et le berceau n'a pas branché. Il a cassé après, par usure, parce qu'il était rouillé. Mais c'est tout. Ça prouve bien qu'à une période, on nous faisait des pièces de qualité, que maintenant, on nous fait de la merde. Et pareil pour les triangles. Là, c'est le triangle d'origine conducteur qui est jarni. Mis à part le fait que les cylindres blocs sont usés. Je pourrais le refaire. Je pense que d'ailleurs, c'est même ce qui va finir par arriver, je pense. Mais je vais quand même en racheter un neuf. Et je vais quand même regarder si avec le neuf, en comparant avec le neuf, s'il n'est pas plié celui-là. S'il n'est pas plié, de toute façon, j'ai gardé les deux anciens triangles. Et je vais changer les quatre cylindres blocs. Comme ça, voilà. Moi, j'ai des triangles fiables. L'autre, je vous le sors, il est pété, je l'ai là. De toute façon. C'est comme ça normalement, on va dire à peu près. Voilà. Puis il n'a pas cassé au mauvais endroit. Hein. En sachant que quand il a cassé, j'avais remis la barre hein, que j'avais pas en dessous. Alors que les anciens triangles et l'ancien berceau moteur, quand ça a fait les accidents, la barre anti-rapprochement inférieure, elle n'y était pas. Et ça, c'est tout simplement parce que c'est de la merde. J'ai regardé hein, par rapport aux autres. Ils sont plus fins par rapport à ceux d'origine. Et les soudures sont pas terribles. Donc, bah voilà. Hein. Merguez. C'est une merguez que j'ai achetée. Donc voilà, bah... Hein. Donc, j'ai un petit conseil à vous donner à tous ceux qui achèteraient une voiture sans permis d'occasion en particulier. Quoique même chez certains garages, méfiez-vous quand même. Un conseil que je vous donne, n'achetez pas de voiture sans permis. Si vous y connaissez rien, déjà, allez pas par particulier, vous oubliez. Si vous avez des connaissances, je vous invite à faire lever la voiture et vous demander au propriétaire de la lever
parce qu'il y a certaines voitures, c'est un peu spécial à lever, comme celle-là. Et vous allez déjà sous la bagnole et vous regardez la coque. Déjà, vous regardez l'état de la carrosserie. Parce que cette bagnole-là, c'est simple, je retiens un contrôle technique, elle est baisée. Elle ne passera pas. Parce que la carrosserie, il n'y a quasiment pas d'endroit qui n'est pas cassé. Il n'y a pas longtemps, je l'ai fait aussi en vidéo normalement, j'ai eu le levier de vitesse dans les mains avec le plancher. Donc ça, j'avais réparé une fois, ça n'a pas tenu. Parce que la carrosserie, elle est flinguée comme pas permis. Parce que cette voiture-là, malgré que je sais qu'elle a servi pour transporter des machines à laver et tout ça, alors que c'est une voiture sans permis, c'est pas un camion, c'est pas fait pour, je suis à 70% sûr qu'elle a fait du cross. Parce que vu la gueule de la carrosserie, c'est pas possible autrement. Je pourrais la faire refaire, très clairement, je la fous à poil, je l'envoie chez un carrossier, je peux la faire refaire, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça va me coûter combien de la faire refaire? Le problème, il est là. Et je vais revenir aussi sur le coup des segments tout à l'heure, parce que je n'avais pas fini là-dessus, mais là, je vais finir sur ça. La carrosserie, franchement, si je dois refaire la voiture, la carrosserie, parce qu'il y a des endroits, la surface, je peux le faire. Par contre, ce qui est joue d'elle, au niveau de mon haillon, ça par contre ça n'a rien à voir avec le fait que le gars me l'a vendu comme ça, c'est qu'on m'a cassé deux fois la vitre et la première a été arrachée. Mais la fixation de haillon, là, ça se voit, mais il y a une plaque. Hein. C'est cassé. Mais j'ai mis des plaques. Il y a une plaque à l'intérieur avec un écrou soudé, une plaque à l'extérieur. Donc ça peut pas, ça peut plus bouger. Mais le problème, c'est que si je la passe chez un contrôle technique, quand il va voir qu'il y a des plaques en dessous, il va se dire, mais monsieur, pourquoi il y a des plaques? Ça a été cassé. Ça, ça va pas passer. Éventuellement, il faudrait changer cette partie-là. Le problème, c'est structure de la voiture. Ça, je n'ai pas les compétences. J'ai pas la motivation pour le faire. Et j'ai pas l'équipement surtout. Donc ça, éventuellement, pour le changer, en sachant que ça vient jusqu'en dessous, faut que je passe chez un professionnel. Pour ça, faut foutre la bagnole à poil intégralement, c'est-à-dire faut enlever moteur, faisceau électrique, les vitraux, faut tout démonter pour le faire changer. Le truc, c'est qu'il n'y a pas que lui, il y a ça, ça a changé. Les portes, n'en parlons pas. Bon, celle-là encore. C'est ça quand tu travailles avec des branquignoles. Quand tu as une vitre qui lâche, tu dois décoller le panneau de porte parce que là-dessus, les vis, ils étaient allergiques. Et que tu demandes à un gars de te tirer un petit peu sur le panneau de porte, mais qu'il te tire sur le panneau de porte et bientôt, il t'arrache la moitié de ta portière. La porte côté passager, on me l'a claqué tellement fort qu'elle a fissuré comme celle-là, d'ici jusqu'en haut, enfin même jusque-là. Donc, c'est réparé la fibre. Sauf que, bon, ça, éventuellement, mastic de finition, peinture, ça va plus se voir. Le truc, c'est que joue d'aile réparée, parce que joue d'aile cassée. Sauf que joue d'aile, voilà, c'est encore une fois, c'est du structurel. Et c'est pris au berceau et tout ça. Le problème, c'est que là, ça dépasse mes compétences encore une fois. Je peux trouver la pièce, cette pièce-là, il n'y a pas de problème, je la trouve. Mais moi, je suis pas équipé pour le faire, quoi. Et encore une fois, j'ai pas la patience. Mon capot, bon, voilà, ça c'est de l'esthétique, tu vas me dire. Donc voilà. Donc, elle passera jamais le contrôle technique, cette voiture. Le problème, c'est que ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Le truc, c'est que si vous allez en dessous, donc vers l'arrière en dessous, pas de problème. Quand j'ai changé le train arrière, j'ai tout checké. Il n'y a pas de problème. Mis à part le panier de la roue de secours. Mais bon, ça, éventuellement, au pire, j'enlève la roue de secours, j'enlève le panier. Et puis, je suis tranquille. Le truc, c'est que mon plancher en dessous, là, c'est cassé. Il y a trois couches de fibre de verre. Ça, par contre, d'après ce que j'ai vu, c'est la maladie, cette bagnole. Parce que il y avait deux microcars Virgo chez mon garagiste et j'ai regardé en dessous. Les deux, ils avaient le même problème. Le problème, c'est que c'est cassé en dessous, c'est refait à la fibre. Il y a trois couches de fibre en dessous. Là, par là, j'ai un trou en dessous. Et c'est surtout que quelque part par là, il manque un morceau.
Parce que le morceau d'ailleurs, il est là. Ça, c'est arrivé quand le berceau moteur il a cassé. Donc je pourrais le remettre, hein. Faut juste que je le nettoie, je le ponce, je le nettoie. Colle pare-brise, mastic, enfin fibre, et puis voilà, ça repart comme en 40. Le truc, c'est que je sais que si jamais il y a un jour, il y a un contrôle technique, elle passera pas. Parce que la carrosserie, elle est en trop mauvais état. Même si les freins sont en bon état, que le train avant, il est full neuf. Enfin, il sera full neuf, parce que je n'ai pas l'intention de rester comme ça avec des problèmes de train avant. Et je vais rechanger le triangle du côté conducteur, je vais remettre un neuf. Je vais rechanger les quatre rotules, par sécurité. Et je vais changer le cardan côté conducteur, parce que ce cardan-là qui vient de chez Nessicar, très clairement, j'en ai plein le cul. Je l'ai eu soufflé de cardan pété. Percé, j'ai changé le soufflet de cardan parce que j'en avais. Les colliers, bah, vu que c'est du cardan de merde, bah, ils vont pas dessus. Et le problème, c'est que l'autre fois, j'ai même carrément, côté boîte, le collier qui s'est fait la malle. Sauf que j'ai pas démonté côté boîte, moi, quand j'ai changé le soufflet de cardan, j'ai démonté côté roue. J'y ai pas touché côté boîte. Donc le cardan, il est de très mauvaise qualité, contrairement à celui de chez Pro VSP. Donc je recommanderais un cardan chez Pro VSP, en serrant les fesses qu'il n'y ait pas un vol dans le colis. Vu qu'ils sont allergiques au remboursement chez eux, et voilà. Franchement, la voiture, je sais pas du tout comment ça va se passer. Le moteur, faut que je le change, hein, très clairement, il n'y a pas photo. Sauf que le souci, c'est que l'idéal serait que je trouve la même voiture, au moins pour la coque. Même s'il n'y a pas de train, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de berceau, ou quoi que ce soit, je m'en fous. Mais il faut au moins que je trouve une Virgo 2. Parce que les Virgo 1, c'est pas les mêmes pare-chocs, et les Virgo 3, c'est pas du tout la même bagnole. Mais au moins, je trouve une Virgo 2, même s'il n'y a pas de capot, pas de coffre. Il faut au minimum la coque, les deux portes. Et bah ça m'arrangerait. Le problème, c'est que j'avais mon garagiste qui avait la même voiture, la même couleur, en plus, parce que le coffre qui est actuellement sur la voiture vient de cette voiture-là. La coque était en bon état. Et il y avait juste le custode arrière droit à changer. Ça, c'est pas méchant parce que j'ai regardé, un custode, c'est 40 euros. Donc au pire, je l'ai acheté, j'emmenais la voiture chez un pro des vitraux et je faisais changer le custode. Le problème, c'est qu'il ne voulait pas la vendre parce qu'il n'y avait pas de carte grise. Mais très clairement, j'y avais dit, en plus, la carte grise, je m'en balais. Dans cette voiture-là, il n'y a pas de numéro de série, il n'y a pas de numéro de châssis. Pour la seule et simple raison qu'il n'y a pas de châssis. Le seul truc qu'on a, c'est la plaque des mines. Alors désolé, je mets le doigt parce que je cache le numéro de série. J'ai pas envie que vous ayez mon numéro de série quand même. Mais voilà, il y a que ce truc-là qui est tenu par quatre rivets. Il y en a deux là, puis il y en a deux. Bah là, il y en a un là, puis un autre en dessous que je peux pas vous montrer. Mais voilà, c'est le seul truc qu'il y a, donc il y avait juste j'y ai dit, moi au pire, je m'en fous qu'il n'y ait pas de carte grise. Je y avais dit que moi, s'il n'y a pas de carte grise, je m'en fous. J'y ai dit, moi je récupère ma plaque des mines, je récupère mes deux plaques d'immatriculation, je recolle dessus. C'est la même voiture, la même année, la même couleur. Il n'y a pas de châssis. Au pire, je récupère mon berceau parce qu'il est neuf. À ce moment-là, il n'était pas cassé, enfin, il n'était pas fissuré, puisque je n'avais pas prêté la voiture encore. Et le train arrière, il n'est pas neuf, mais je l'ai changé, c'est un train de Virgo 3 que Bruno m'a donné. Donc, j'ai juste les cylindres blocs du train à faire, c'est pour ça que les roues sont de travers, les cylindres blocs sont usés. Mais, voilà quoi, donc j'avais juste à récupérer juste la coque. Le capot, je m'en foutais, les phares, je m'en foutais. Le moteur, parce qu'à ce moment-là, mon moteur était bon, je m'en foutais. Je voulais juste la coque avec les portes, le pare-brise et le haillon. C'est tout. Et le problème, bah, j'en ai proposé jusqu'à 800 euros, je crois, de la coque, et il n'en a jamais voulu. Donc, voilà. Après, il a récupéré une autre Virgo qui était complète, une Virgo 1, qui était à 8 perso, mais celle-là, je ne pouvais pas la récupérer parce qu'elle était en trop mauvais état niveau coque. Elle n'était pas dans le même état que la mienne, elle était quand même en un petit peu meilleur état. Mais par contre, au niveau du haillon, c'était beaucoup plus explosé que le mien. Moi, c'était, voilà, la charnière n'était pas passée à travers, c'est juste la vis avec l'insert qui est passé à travers.
Donc moi, c'était encore, on va dire, du domaine du réparable. Tandis que lui, non. La charnière, elle était carrément passée à travers. Le haillon, il l'avait fait tenir, il l'avait verrouillé, il avait passé une sangle au niveau de la vitre. Et il avait repris vers l'intérieur de la voiture, ça. Donc là, c'était pas du tout réparable. C'est la maladie, pareil, de ces voitures-là. Ça, c'est quand on claque les coffres comme des baisers. Donc, voilà. Donc, un conseil, si vous voulez acheter une voiture sans permis, déjà, Virgo, vous oubliez, parce que, du moins, Virgo 1, Virgo 2, vous oubliez, parce que les trois quarts de ces Virgo sont massacrés. Et surtout, prenez du récent, même si les carrosseries de maintenant sont moins costauds que celles-là. Dans le temps, ça a quand même tendance à tenir un petit peu plus. Mais ouais. Donc maintenant, je reviens sur les segments. Pourquoi je ne peux pas les changer? Parce que tout simplement parce qu'il y a trois tailles différentes. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, déjà, il y a plusieurs moteurs Lombardini et je ne sais pas quelle taille va sur ce moteur-là. Mais ce n'est pas la raison principale. C'est qu'en plus, un exemple, même si d'origine sur mon moteur, c'est on va dire la cote A. Le moteur, j'ai aucun historique, je ne sais pas le kilométrage qu'il a. Moi, j'ai 78 000 au compteur, mais le moteur, il n'est pas d'origine de la voiture. Donc, je n'ai pas le kilométrage du moteur. Le moteur, la voiture peut avoir 79 000, enfin 78 000, mais ça se trouve, le moteur, bah, il en a 100 000 de plus, quoi. Un exemple. C'est peut-être aussi la principale raison pour laquelle le moteur, il a une perte de compression. C'est peut-être parce qu'il est fortement kilométré. Et c'est pour ça que d'ailleurs, mon garagiste, les moteurs qu'il a, c'est des moteurs, le dernier qu'il a vendu, qui était d'une Lyra, il avait 84 000, il l'a vendu que 500 balles. C'est pour ça que les moteurs, en fait, le prix, on va dire, il dépend principalement du kilométrage. Mais je vois sur Amazon, sur eBay, des moteurs qui ont 110 000 qui sont à 1000 balles. Et là, je ne suis pas d'accord. Ça serait un moteur encore qu'à 20 000 km, 30 000 km. OK? Un moteur à 110 000 km à 1000 euros, alors que je peux avoir un moteur à 84 000, 86 000 à 500 balles, très clairement non. Voilà. Donc ça, c'est franchement, ça m'énerve. Franchement, la voiture, je vous le dis, j'en ai marre. Parce que j'ai que des problèmes depuis juin, juillet dessus. Ça n'arrête pas. Ça me prend la tête parce que normalement, j'aurais dû commencer le DT. Il y a quelques mois, j'aurais dû la commencer au mois de mai, cette putain de bécane, et j'ai pas pu la commencer. Et ça me casse les couilles, très clairement. J'en ai pour plus de 700 euros sur le DT. Je vais vous faire une vidéo après vous expliquant ça, le futur projet d'ailleurs. Mais la voiture, je pense qu'on va s'arrêter à peu près, je vais arrêter les réparations dessus. Je vais faire train avant, freinage. Donc déjà, tout ce qui est organe de sécurité, je le fais. Je fais l'esthétique, si on peut dire. Donc, tout ce qui est petit accroc, je le fais. Je fous un petit coup de peinture, un petit coup de vernis. Terminé. Après, je vais faire le moteur, par contre, parce que ça, il me faut un truc où je suis sûr qu'il ne va pas me claquer dans les pattes en peu de temps. Donc ça, je n'ai pas le choix. Si je ne trouve pas de moteur, tant pis, on refait celui-là. Mais je vous avoue que ça ne m'enchante pas. Ça ne m'enchante pas du tout. Et voilà quoi. Donc le problème, c'est que le moteur, c'est pas le fait réellement que ça me fait chier pour le refaire. C'est qu'il me faut de l'outillage que j'ai pas. Il me faut le comprime segment que j'ai pas. Il me faut bah, le comprime segment. Il me faut je sais plus trop quoi. Il me faut de l'outillage que j'ai pas. Et il me faut un testeur de compression pour tester la compression moteur après. Donc très clairement, ça me gonfle. Ça me saoule. Donc voilà. Il y a le kit distrib aussi. Bon, tout du moins la courroie et le galet tendeur. Parce que la pompe, bon, elle est neuve. Elle a même pas 10 000 km à tout casser. Donc voilà. Et la pompe, elle est encore bonne pour 70 000 km. Donc très clairement, je ne vais pas la changer. Mais au moins, bah, il me faut pochette de joint inférieur moteur, la pochette de joint moteur inférieur, la pochette de joint supérieur moteur. Vu qu'il y a des chances que je change la culasse pour être sûr, j'en ai une autre, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Non, je laisse cette culasse-là, mais il faut que je change l'arbre à cames parce que je crois que l'arbre à cames qui est dessus, il y en a un petit coup aussi. Donc je récupère l'arbre à cames de l'autre. Donc nettoyage,
nettoyage d'arbre à cames et tout. Il me faut le joint torique, le joint speed d'arbre à cames, le joint speed du palier de vilebrequin. J'ai plein de trucs à acheter. Donc, moi, le moteur serait neuf, quoi, mais actuellement, je peux pas me le permettre. On est en hiver, je peux pas me permettre d'acheter des pièces. Après, si, je peux peut-être acheter des pièces puis le refaire petit par petit. Mais le problème, c'est le budget. Il faut que je prenne le temps de contrôler le prix de toutes les pièces et de voir, et puis voilà. Donc la 89, elle est en hivernage, donc elle roule plus pour le moment parce qu'on est en hiver. Le Kinko, j'ai pas d'essence. Et le Kinko, à ces périodes-là, j'ai vite de le prendre, j'ai pas envie de finir par terre. Le DT, il est en rade. Le scooter à mon frère, on m'a fait des couilles dessus, donc il faut que je résoudre tous les problèmes qu'il y a dessus. Et bah voilà quoi. Donc c'est tout pour cette vidéo. La vidéo va faire 1 milliard d'années. C'est nickel. Donc je la dividerai peut-être en deux parties, hein, parce que là, je sais pas pour combien j'ai filmé, mais j'ai filmé plus d'une heure. Donc, et vu qu'on n'arrête pas de me faire les critiques, comme quoi que les vidéos sont trop longues, il y aura peut-être la vidéo sera peut-être en plusieurs épisodes. Je vous le dis tout de suite. Donc c'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande. LG Motorsport Racing, Mob 11, Gotha 11, et aussi à la chaîne YouTube de mon petit frère, Streamix 2.0. Allez vous abonner aussi à la chaîne YouTube Bruno Devine pour les voitures sans permis. Arrêtez de me poser des questions sur les voitures sans permis, s'il vous plaît. Je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est pas mon truc. J'ai pas mal de demandes et arrêtez. Et de toute façon, je ne réponds plus aux questions. Hein. Donc je réponds aux questions sur des vidéos qui datent. Sur ces vidéos-là, j'y réponds pas. Et les autres, ça va bientôt arrêter parce que je. J'ai plus le temps de répondre aux vidéos, surtout. J'ai pas mal de problèmes avec la voiture, j'ai la DT, j'ai les scooters à faire, donc j'ai pas trop le temps de répondre aux vidéos, aux questions. Surtout qu'on est beaucoup sur la chaîne maintenant, on est plus de 1000 abonnés. Donc j'ai plus trop le temps. Voilà. Et ben, c'est tout. Et en tout cas, je vous remercie aux abonnés et aux futurs abonnés. À une prochaine vidéo, les amis.